accepté. Pourvu. T'es là? Bon, tu vois, normalement, je devrais être en plein SPM. Uh-huh. Puis là, je me sens pas pantoute comme ça. Trouves-tu que je suis différente? Ben oui, t'es ben trop de bonne humeur pour être aveugle à être menstruée. Non, tu ris, mais c'est vrai, là. Ben là, on va attendre une couple de jours, puis s'il se passe rien. J'aimerais ça qu'on achète les nouveaux tests. Ils peuvent déceler la grossesse dans les premiers jours. Attends, là, tu penses qu'on pourrait déjà savoir? Oui. Tu veux aller acheter un test? Oui, OK, mais là, je vais appeler mon père pour dire que je vais être en retard. C'est parce que moi, je vais être là quand on va savoir le résultat. Ben oui. OK, mais je vais à la pharmacie. Alain, va t'habiller comme... Ouais, je suis trop énervé, là, moi. Allez, toi, là, tu vas être la plus belle maman. Je t'aime. Oui, moi aussi. Je t'aime. Mm-hmm. Pharmacie. Oui. Achète dans deux. OK. C'était à quelle heure déjà l'échographie? 3 heures. Ok. Non, c'est hâte d'y voir la binette à ce beau bébé-là, là. Oui, moi aussi. J'ai surtout hâte de savoir s'il est en santé. T'inquiète-toi pas. T'as une grossesse parfaitement normale, là. Je suis sûr que tout est parfait. Quand même, je me sentirai mieux après. Parce qu'on va voir si c'est un garçon ou une fille. Ça dépend de la position du bébé. Des fois, c'est pas toujours évident par mes échographies. Toi, tu veux-tu le savoir? Ça dépend de toi. Si tu veux avoir la surprise. Je pense que j'aimerais mieux ça. OK. L'important, c'est qu'ils soient en santé. Oui. Ah! C'est pour toi. C'est un petit cadeau pour fêter la fin du premier trimestre. Ah! Que tu te fasses dorloter un peu, là. Un massage? Mm-hmm. Mais t'es bien fin, toi. Oh, commence à être un petit peu tanné de me masser le dos. Non, c'est pas ça, mais ils sont meilleurs que moi pour ça. Merci. Ça fait plaisir. Je m'habille, là, puis je vais te rejoindre à la chocolaterie. Ah, presque pas, là, on a tout notre temps. Luc? Ouais. Prends-moi dans tes bras. Ouais. Ça sent bon? Deux œufs bacon, t'attends-tu? Ah oui. Ah, j'ai faim, matin. Ah, merci. T'as meilleure mine, toi? Hein? T'as bien dormi? Oui. Mais pas toi, par exemple. Je t'ai entendu te lever au moins deux fois, mais j'étais trop endormi pour réagir. Bon, j'ai eu mal au cœur. Je pensais que je pourrais être malade, mais ça passait finalement. Non, ce matin, je t'en fous. Ouais, moi aussi, je me sens mieux aujourd'hui. Je sais pas, on dirait que depuis qu'on a parlé à d'autres parents, ça m'a redonné courage. Ouais, y a une façon de voir ça qui est tellement positive. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que avoir un enfant handicapé, c'est pas juste une épreuve. Ça peut apporter beaucoup de bonheur. Ça. On va l'aimer, puis on va être heureux tous les trois. Merci. Puis lui, je l'aime déjà comme ça. C'est le fun que t'as pris ta journée de congé aujourd'hui. On va pouvoir repeindre la chambre du bébé. Pas un peu tôt pour ça. Oh, pour ça, je vais pouvoir prendre mon temps pour faire la décoration. T'as pas peur que l'odeur de la peinture, ça te donne mal au cœur? Mais non, une nouvelle peinture, ça sent plus rien. Là, je vais te montrer la couleur que j'ai choisie. Ça s'appelle coquillage. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Puis regarde, pour les accessoires, je vais aller comme dans la aqua, comme la mer, là. Je vais se sentir comme un petit poisson dans l'eau.
Ça va être très, très vite. C'est morbide. T'as montré mon pinceau. Bien sûr. Ouais, voyons, j'ai même pleine de peau ce matin, moi. Un peu nerveux, Yves. Non, pourquoi? C'est Jeanne. Non, pas tout. Oh, moi, je dis ça comme ça. Ben, c'est sûr que j'aimerais que ça se passe bien, là. Je sais pas pourquoi ça irait mal. Ben, je sais pas si je vais être capable de pas retomber dans mes vieilles habitudes, là. Ça sera pas facile, on a travaillé 30 ans ensemble, hein. Ouais, vous voulez repartir du bon pied, c'est ça? C'est en plein ça. Ah, auriez-vous l'intention de refaire sa conquête par hasard? Non, t'es bien curieux, toi. Ah non, mais si vous avez besoin de conseils, je n'aime pas les femmes, je connais ça. Sais-tu, ce sera peut-être pas nécessaire, hein? Bonjour. Ah, bonjour. J'espère que je suis en retard. Non, installe-toi, je vais aller chercher un tablier. Jeanne, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre équipe. On m'a beaucoup vanté votre professionnalisme, votre gentillesse. Je suis très heureux de travailler avec vous. T'en mets pas un peu trop, là? Oh, merci, Charles. C'est gentil. Moi aussi, je suis très heureuse d'être de retour. La chocolaterie m'a beaucoup manqué ces derniers temps. Ah oui? Bon, ben, on commence à travailler. Ben oui. Je vais t'expliquer où on en est rendu dans les commandes, là. Allons-y. Ah, vas-y, toi. Ouais? Ouais. OK. Hey, là, t'as cher à boîte, là, mais... Il me semble que c'est positif, là, mais... C'est positif. C'est positif? C'est positif! Oh! Oh, wow! Je te donne tout, là. Ouais. Mais là, ça fait que t'es enceinte, là, c'est fait, là! Ben, en principe, oui. Ah, yo! À moins qu'il y ait une erreur. On sait pas ça. Mais comment ça se peut de savoir de même? Ben, je sais pas, moi, je connais pas ça. Mais là, Ben, je vais aller en faire un autre. OK, oui, j'ai chaud, j'ai tellement chaud, je suis pas bien, j'ai mal au cœur, là. C'est vrai que c'est bouillant, enceinte. Ah, des biscuits soda, c'est bon pour ça. Ouais. Hey, pour vrai, mes mains shake, là. Mais non, calme-toi, Alain, là. Je peux pas, là. Mais, tu veux essayer? OK, ouais, go. Cette émission vous est présentée par la Sonata de Hyundai, la berline intermédiaire qui conjugue un design innovateur et un raffinement des plus remarquables. En route vers une saison brillante avec Hyundai. Pardon, monsieur. Si j'achète ce film maintenant et qu'à l'âge de 85 ans, il commence à être défectueux, vous me l'échangerez? Ben oui. Avec la garantie à vie sur les films prévisionnés et le super solde d'un film prévisionné gratuit à l'achat de deux jusqu'au 11 octobre, chez Vidéotron, le super club, ça finit toujours bien. La grande liquidation Chevrolet est de retour et elle ne passera pas inaperçue. Avec un financement de 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur certains modèles, notre meilleur taux de l'année, et des rabais à la livraison allant jusqu'à 8 000 $, c'est l'événement que vous ne voudrez certainement pas manquer. Le moment de vous offrir la Chevrolet de vos rêves est enfin arrivé. À vous d'en profiter. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet. La grande liquidation est pour un temps limité. Effacez les insécurités, le doute. Cette voix dans votre tête qui dit « Regarde cette ride ». Voici le nouveau fond de teint, l'effaceur de Maybelline. L'innovation. Notre applicateur breveté et sa formule concentrée hydratante au collagène et au baies de goji. Une couvrance qui micro-corrige et micro-efface. C'est génial. Les taches brunes, les passe doigts et les ridules, effacez-en l'apparence. Pour un teint zéro défaut, le nouveau fond de teint exclusif à Maybelline New York. L'effaceur. Nos enfants, on les aime pas. On les adore. C'est sûr qu'ils ont beaucoup d'énergie. C'était pas toujours drôle. Quand on les entendait pas, c'était là qui était le plus tannant. C'était devenu difficile de les surveiller. Depuis, on a bâti ce mur-là pour se faire une grande cuisine. C'est beau. Disons que
J'ai pas fait ça toute seule. Ils sont inspirés là-bas. Le mur en ardoise, par exemple. Ce mercredi, on devrait finir quelque chose qu'on a commencé il y a un an et qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Tranche de vie, ce mercredi, 19h30. Comme ça, tu l'avances pour l'année prochaine. Une présentation des courtiers Remax. L'Orchestre symphonique de Trois-Rivières vous offre les 4 saisons de Vivaldi en poésie avec Pascal Montpetit. Un rendez-vous que vous ne voulez pas manquer, le dimanche 10 octobre à la salle Giantonio Thompson. Une bonne nouvelle est arrivée dans votre boîte aux lettres. La circulaire d'automne d'Ameublement Tanguay. Avec ses économies et ses avantages uniques chez Ameublement Tanguay, vous trouverez une grande sélection de meubles ailerons et relaxants. Et voici l'offre de la circulaire d'automne sur tous les meubles ailerons et relaxants. À l'achat de 4 sièges ou plus de votre choix, nous paierons les 2 taxes pour vous et vous paierez en 36 versements. La circulaire d'automne d'Ameublement Tanguay. Juste des bonnes nouvelles. Osez la sensation au Centre des Arts de Shawinigan. Voyez le premier one-man show de l'humoriste Philippe Band le 13 novembre et le 26 novembre, le maître de l'hypnose, Mesmer. Billets en vente dès maintenant. Quand l'épreuve arrive, tu trouves le courage pour passer à travers. Oui, oui, je suis autorisé à recevoir les résultats. Je vous écoute. Destiné, ce mercredi 20h à TVA. Une présentation de Fantino et Mondello et de Hyundai. Excusez-moi, je veux pas vous déranger bien longtemps, mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oh! Watt Warler, c'est sûrement une bonne nouvelle. Je viens de parler à Alain, et puis Florence est enceinte. Ils ont même passé 2 tests pour être sûrs. Oh! Oh, je suis tellement contente! Ah! Hey! Oh, c'est fou! Florence et moi, on va vivre notre grossesse ensemble! Ben, bravo! Alain aussi doit être content. Ah, il était tellement content, il arrêtait pas de pleurer puis de me remercier. Je savais que j'allais les rendre heureux, mais jamais à ce point-là. Merci, Luc, pour ce que t'as fait. Hein. C'est extraordinaire. C'était le fun, hein? Hey! Qu'est-ce que Luc a à voir là-dedans? C'est un peu compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Ah ben, comment vous pouvez déjà savoir ça? Ben, avec les nouveaux tests, on peut savoir dès les premiers jours. Hey! C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, hey, non, ben, bravo, c'est parce que je m'attendais pas à ce que ça vienne si vite, là. Si vous êtes content, c'est ça le principal. Oh, mais toi, es-tu content, toi? Ben oui. Ben, ça va l'air. Parce qu'Alain, je peux pas m'empêcher de penser à plus tard. C'est là que les vrais problèmes vont commencer. Quel problème? Je comprends pas ce que tu veux dire. Un enfant qui a 2 pères, ça peut pas faire autrement que d'apporter des problèmes. Non, il y aura pas 2 pères, c'est moi le père. Oui, mais regarde, là, si Luc est pas d'accord de ta façon de l'élever, par exemple, penses-tu qu'il va rester là sans rien dire? Mais non, il va vouloir s'en mêler. C'est normal, c'est lui le père. OK, là, je pense que t'as rien compris, le père. Luc pis moi, on en a discuté, c'est très clair pour lui, comme pour moi. Luc, c'est le donneur, moi, je suis le père. Là, ce serait le fun que ce soit clair pour toi aussi. Ouais, ben, la vie, c'est plus compliqué que ça, mon petit gars. Tu vas voir, tu sais pas tout ce qui t'attend. OK, je comprends que toi, tu serais pas capable de vivre avec ça, mais c'est à moi que ça arrive, pas à toi. Hey, excuse-moi, là. Ouais. Est-ce que tu peux me rajouter ça dans le comptoir, s'il te plaît? Hey, je pensais à ça. Ça me serait le fun de faire quelque chose pour fêter la grossesse de Florence. Ouais, si tu veux, à quoi tu penses? On pourrait aller manger tout ensemble, vos amoureux, ce midi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. OK, j'appelle Florence. Puis moi, je vais appeler Alain. T'es sûr que tu seras pas trop fatigué pour aller à l'échographie après? Ben non. Comme ça, le temps va passer vite. Mais on devrait faire quelque chose pour fêter l'événement. Ah, ben c'est drôle, on parle justement de ça. On va inviter ta soeur puis Alain à manger aux amoureux. T'es invité, toi aussi, bien super. Entendu. Super! Mais je vais même vous offrir un verre de champagne. Pardon, super. Ah, ben oui, c'est vrai, les filles, vous buvez plus d'alcool. Oui, mais les pères ont le droit, par exemple. Ah, et puis le parrain aussi. Vous êtes déjà comme parrain, toi. Ben oui. Oui, j'espère que c'est moi qui vont choisir. C'est drôle, je me suis mise à penser que... Ben que notre bébé va avoir un demi-frère ou une demi-sœur qui va peut-être lui ressembler. Ça te dérange tant que ça? Non.
Ça se peut que ce soit son cousin ou sa cousine préférée. Toi, ça te va? Ouais. Allez. Travaille. Toi aussi, d'ailleurs. Bon. Ce sera pas long, je te pose une question. Bon, vas-y. As-tu l'aimé cet enfant-là comme si t'as mis, ou si tu vas toujours avoir en arrière de la tête que c'est Luc qui l'a fait? Tu parles d'une question. C'est important pour moi. C'est juste que c'est pas une situation normale. Mais pour toi, peut-être, mais pas pour nous. Tu sais, t'as toujours voulu que Luc pis moi, on se rapproche l'un de l'autre, qu'on s'entraide. Là, ça arrive, je suis super heureux, pis toi, tu fais juste prédire des malheurs. Je préfère autrement qu'à me poser des questions. Qu'est-ce que tu veux? Ça se faisait pas, ces affaires-là, dans mon temps. Il est temps que tu mettes tes poches juste de côté puis que t'évolues un peu. Cher Luc, il a toujours été tellement généreux. Ouais, mais là, il a poussé la générosité un peu loin, là. Pourquoi tu dis ça? Moi, je trouve qu'il a fait preuve d'un grand sens de la famille. Ça m'étonne pas de lui. Tu as l'air de trouver ça normal, mais c'est une situation qui sort de l'ordinaire, ça. Pas tant que ça. Hey, mais cet enfant, il va être élevé par son nom. Oui, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Regarde dans ma famille, mon petit cousin. Il savait pas que celui qui appelait mon oncle, c'était son père. Il y en avait plein d'histoires de famille comme ça. Mais dans le temps, c'était des secrets de famille. Aujourd'hui, au moins, là, c'est clair. Ouais, je voyais pas ça de même. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, ça me fait du bien de t'entendre dire ça, là, parce que moi, je savais plus quoi penser de cette affaire-là. Oh, t'es rassuré? Ouais. Geoffroy, comment tu trouves ça? Ben là, ça fait moyen âge. Oui. Ça va? Oh. Oh, j'ai des petites crampes depuis ce matin. Oh, j'ai dû manger trop de framboises. Bon, non, ça fait mal. Si, là. T'as des petites contractions. As-tu eu des pertes sanguines? Je pense pas. Va donc voir. Non, non, je sens que c'est rien. Non, 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 vas-y tout de suite. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Maison La Prise. Des maisons à haut rendement énergétique partout pour vous, en ville, en région et en ligne, sur maisonlaprise.com. Répondre au téléphone à l'heure du souper les soirs de semaine? Pas très futé. Acheter une batterie à son petit dernier? Pas super futé non plus. Avoir un repas complet sur la table pour moins de 25$, ça, c'est futé. Voici l'Econoberry. 10 morceaux de poulet recette originale, 4 frites format individuel, 4 salades et de la sauce. Pour seulement 24,99$, un prix futé de tous les jours. Prendre le temps de savourer un bon repas en famille? Vraiment futé. PFK. Tellement bon. Cet automne, adoptez les dernières tendances. Choisissez parmi une vaste sélection de tuniques élégantes offertes à l'aubainerie à partir de seulement 16,98$. Ou encore, trouvez votre nouveau jean favori à partir de 19,98$. Offrez-vous un look à faire tourner les têtes. L'aubainerie, trouvez, portez, rayonnez.
dans le secteur de la rue Whitehead à Trois-Rivières. Des éléphants auraient été aperçus en train de déambuler dans le secteur. Certains disent même les avoir vus entrer chez Clément Boisvert Meubles. La vente éléphantesque de Clément Boisvert Meubles, c'est vraiment le meilleur temps de l'année pour réaliser de grosses économies. Des prix écrasés sur les plus grandes marques. Meubles, matelas, électroménagers, tout est réduit en magasin. La vente éléphantesque, c'est maintenant. Clément Boisvert Meubles, rue Whitehead, Trois-Rivières. Ce mercredi, on devrait finir quelque chose qu'on a commencé il y a un an et qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Tranche de vie, ce mercredi, 19h30. Quand tu l'avances pour l'année prochaine? Une présentation des courtiers Remax. Ce mercredi. Écoute, ça ne tienne pas. Ça pète. Mais j'ai toujours recommencé mon pantalon, alors mon cœur est débat. Je veux vraiment finir. La collection, ce mercredi, 21h. Une présentation de l'Abbé et de Garnier. C'est la vente éléphantesque chez Meubles Boisvert de Shawinigan. Parmi ce décor élégant, cette causeuse recouverte de simili-cuir à seulement 499$ taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte, rien à payer avant un an. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où tout est différent. Beatles Story. Il y a du frisson partout, capoté. À la salle J.A. Thompson de Trois-Rivières. Pour information, beatlesstory.info. Venez faire un tour, c'est vraiment excellent. C'est la vente éléphantesque chez Meubles Boisvert de Shawinigan. Économisez sur ce mobilier de salon modulaire à 1199$ taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte, rien à payer avant un an. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où tout est différent. Beatles Story. Il y a du frisson partout, capoté. À la salle J.A. Thompson de Trois-Rivières. Information, beatlesstory.info. Venez faire un tour, c'est vraiment excellent. Ce jeudi, José Godet, Jean-Michel Anctil, Marina Orsini, Mario Tessier, Jean-Luc Mongrain et Pauline Martin. Soyez fidèles au poste, jeudi 20h à TVA. Une présentation des courtiers Remax et de Génacol. Écoute, je suis tellement contente pour toi. Là. C'est tellement extraordinaire ce qui nous arrive. Là. C'est fou. Soyez-vous, là, il manque de femme à cette table-là. Hey, c'est bien de nous avoir invité à manger. Hein. Ben voyons, c'est un grand jour. Fallait fêter ça. Mmh. Oui, salut. Assieds-toi à côté de moi, Florence. Ouais, oui, entre deux. La maison vous offre l'apéro. Ah non, c'est moi qui offre le champagne. Ah. Oh. Donc, il y a personne qui nous apporte le jus? Ou... Oui, je m'occupe de tout. Ah, voyons donc, ben non, allô! Oh, allô! Bonjour tout le monde! Allô? Vous voyez, j'ai pas pu résister, j'ai appelé ma blonde pour lui annoncer la bonne nouvelle. Moi, j'ai pas pu résister à l'envie de venir vous féliciter tout le monde. Je sais pas par qui commencer, là. Florence! Viens manger avec nous autres, là. Moi, je veux pas m'imposer. Mais non. OK. Félicitations. Merci. Alors, ma création du jour est le spécial Future Maman. Wow! Attendez-nous pour trinquer, les filles. Oui, ouais. J'apporte les coupes de champagne. Santé! Hey, j'en reviens pas comme ça roule à la chocolaterie, hein. Je dis que c'est pas les contrats qui manquent. Depuis que Charles et Mélanie vont rencontrer les clients, là, on chôme pas. Marc, c'est une bonne chose. Parce que moi, avec l'année que je viens de passer, là, d'être occupé, ça m'empêche de trop penser. Je voulais te remercier. T'sais, je sais que c'est beaucoup grâce à toi si je suis revenue à la chocolaterie. Si t'avais pas été d'accord, là, je serais sûrement pas là. C'est sûr que Luc m'a demandé mon avis, là, mais j'ai été d'accord tout de suite. Et une employée comme toi, avec ton expérience, ça serait bien fou de s'en passer. En plus de ça, tout le monde t'aime à la chocolaterie. Je suis bien contente d'être de retour. On devrait s'en aller. J'en ai plus de crampes, là. C'est fini. On partira pas d'ici avant que t'aies vu un médecin, là. Je me sens mieux, je te le jure. On ne veut pas passer l'après-midi dans le corridor, là. On sera bien mieux chez nous. Sophie, tu as eu des pertes sanguines. Il faut absolument que tu te fasses examiner le plus tôt possible. Je
sûr que c'est rien. En faisant le lit ce matin, j'ai levé le coin du matelas un peu trop raide, puis c'est là que ça a commencé. J'aurais pas dû faire ça. Couche-toi. Couche-toi. C'est supposé peinturer la chambre du bébé aujourd'hui. Ça continue, on va perdre toute notre journée ici. Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas un collègue qui pourrait faire accélérer les choses. Là, tu bouges pas d'ici, je reviens tout de suite. Peux-tu te poser une question personnelle? Oui. Est-ce que tu t'es trouvé un appartement? Pas encore. J'épluche les journaux toutes les semaines. C'est sûr que c'est pas évident dans le quartier. Non. C'est plus difficile que je pensais. J'arrive pas à trouver un logement qui me convient. C'est trop petit, c'est trop loin, c'est trop cher. Il y a toujours quelque chose qui va pas. En plus, j'avais oublié ce que ça veut dire de tout assumer toute seule. Je suis pas mal moins riche que je pensais. Non, tout seul, c'est sûr que ça revient pas mal plus cher. Non, remarque, je vais pas me presser, hein. Carmen a pas hâte que je m'en aille. Elle est bien contente d'avoir trouvé quelqu'un avec qui jaser. Je comprends. Je prends mon temps, là, je vais finir par trouver. Ah, hein? Oh, j'ai fait du gâteau banane. T'en veux-tu? Ah, oh, un petit morceau. Oh. Je vais manger. OK. Si on m'avait dit il y a un an là, que je me retrouverais dans cette situation-là, là, je... Non plus, je l'aurais pas cru. Ben, moi, je lève mon verre à Luc, qui a des talents de reproducteur incroyables. Franchement, j'en connais pas de plus rapide et de plus efficace. T'as des petits spermatozoïdes vite sur leur patin, mon Luc. Hein? Voyons, Benoît! Non, mais c'est vrai. Hey, avouez que vous attendiez pas à ce que ça aille vite de même, hein? Ben oui, c'est une belle surprise. Ouais, qu'est-ce que tu manges pour être si efficace? Ben, chocolat, il me semble que c'est évident. Bon, ben je vais continuer à en manger. Ah, mais fatigue-toi pas avec ça. Hein. Moi, ça fait des années que j'en mange, puis absolument rien donné. Mais hey! Je veux porter un toast à Mélanie. Merci. Et à Florence. Oh. Qui vont nous donner les plus beaux bébés du monde. Ouais, ils ne seront pas les sortants. À notre petit Marion adoré. À nos petits Marion, Florence. Hey, c'est mélangeant, votre affaire. Okay. Ça va faire, là. Je peux pas boire toute cette eau-là puis pas aller faire c'est pipi. C'est ma préparation normale pour une échographie. Mais ça continue, je vais faire pipi dans mes culottes. Mais si tu bois pas assez d'eau, ils pourront pas te faire l'examen puis on sera pas plus avancé. Pourquoi ils nous font attendre de même? Ils savent qu'une femme enceinte, ça ne peut pas se retenir longtemps. Ça devrait plus être bien long, là. Moi, je comprends même pas qu'est-ce qu'on fait encore ici. J'ai plus de crampes, les segments sont arrêtés, je me sens super bien. Pourquoi on s'en va pas chez nous? Hey, on n'a pas entendu tout ce temps-là pour rien, là. Ce serait bien de repartir maintenant, tu penses pas? Non, non. On va profiter pour tout vérifier. Comme ça, on va savoir exactement ce qui se passe. Il se passe rien. Je me sens bien. Bois encore un peu. Bon, là, j'en peux plus. Il faut que j'aille au trou. Non, non, non. Sophie, Sophie. Regarde, c'est notre tour. Tu peux le finir, si tu veux. Ah oh non, merci. Mais il est bien bon. Hein? Il est pas mal meilleur que le mien. Tu sais faire ça, toi? Non, justement, je sais pas. C'est ça, le problème. Parce que je me suis essayé l'autre jour. Puis quand j'ai ouvert la porte du four, là, ça avait l'air d'une brique, cette affaire-là. C'était tout mou dans le milieu. Ça m'a bien manqué. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai cassé en petits morceaux, puis je l'ai mis dans les mangeoires des oiseaux. Il n'en a même pas voulu.
Ah, si même les yeux bleus en veulent pas, là, je te dis que c'est un échec total. Je comprends. Ah. Ah. Je viens de rire un peu. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Moi non plus. Je peux pas dire que la vie est facile ces temps-ci. Non. Toi, comment ça se passe? Ça va? Comme ci, comme ça. Mais ça va? Ouf. J'essaie de me faire une nouvelle vie. Je ramasse les pots cassés. C'est pas facile. Je peux blâmer personne de ce qui m'arrive. C'est mon choix. Je l'assume. Je peux te la donner si tu veux, ma recette de gâteau aux bananes. Non, c'est sûr. C'est toi qui fais le meilleur gâteau aux bananes. Puis, j'aime mieux que ça reste comme ça. Mais je savais pas que tu serais aussi content de me voir enceinte. Hé, hey, le premier bébé de la famille, c'est important. D'ailleurs, je pose ma candidature comme parrain dès aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va être retenue parce que... Ben, parce que j'y tiens beaucoup. Ben, on va analyser ça, hein. Puis si t'as un bon comportement, ben là, peut-être que tu vas être choisi, hein, Florence? Oui. T'as des bonnes chances. Hey, je suis content que vous soyez tous là. Puis il me semble que ça serait une bonne habitude d'apprendre ça même une fois que les enfants vont être là, là, que... On continue de se réunir ici tous ensemble, là. Ah oui. À l'amitié. Hey. À l'amitié. Je veux juste vous prévenir qu'il va falloir se trouver un autre endroit pour fêter parce que je pense sérieusement à vendre. Ah. Sérieux? Ouais. Ta business marche super bien. Ils ont plus pour vendre. Je vais avoir un meilleur prix. Alors, ça m'étonne. Je pensais jamais que tu m'annoncerais ça. Ouais. Ben, on est dû pour un gros changement de vie. Hein, Manon? Oui, mais c'est pas encore définitif, ça, là. Benoît et moi, on aimerait savoir du temps pour faire autre chose que travailler. Fait qu'on regarde si on peut pas trouver autre chose. Mais on est encore en période de réflexion. Non, mais moi, c'est tout réfléchi, hein. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à acheter, là, je suis prêt. Vous êtes accusé de fraude fiscale, de malversation et de faux monnayage. Et vous vous défendez seul, sans avocat. Pas de problème, je vais faire ça comme à télé, ça va bien se passer. Il y a des choses qu'il faut laisser aux experts. Pour acheter ou vendre une maison, ça prend un courtier immobilier. Une chance qu'on vous avait comme passager. Mais là, vous êtes sûr de vous, là, hein? Ouais, ouais. Ça doit être pareil comme dans un jeu vidéo, aussi. Il y a des choses qu'il faut laisser aux experts. Pour acheter ou vendre une maison, ça prend un courtier immobilier. Contrairement aux autres véhicules de sa catégorie, l'Acura MDX de 300 chevaux offre à ses 7 passagers le système toutes-roues motrices super maniabilité brevetée. Le MDX possède aussi une caméra arrière multi-angle offerte en option, parce que la performance ne devrait pas se limiter qu'à la marche avant. Profitez dès maintenant d'une offre exceptionnelle sur les MDX de haute performance. Vos mains sont aussi propres que la serviette que vous utilisez pour les sécher. Alors pourquoi utiliser la même serviette encore et encore quand vous pourriez utiliser une serviette propre chaque fois? Les nouveaux essuie-mains de marque Kleenex. Une serviette propre chaque fois. Hey, on a du grain, de la chaleur, de l'espace. Là, là, en ce moment, je suis parfaitement heureux. OK, puis là? Là? Je suis encore heureux. Hein, gang? C'est parce qu'on l'élève avec soin que le poulet du Québec est si savoureux. Vous désirez arrêter de fumer? Vraiment arrêter? Rencontrez un de nos professionnels dans un centre d'abandon du tabagisme.
Il vous proposera une approche adaptée à vos besoins et ainsi vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Prenez rendez-vous dès maintenant. Il y a sûrement un centre d'abandon du tabagisme près de chez vous. Appelez un de nos spécialistes au 1-866-JARRÊTE. Nous sommes nombreux à croire que partager le modèle financier coopératif peut changer le monde et contribuer à la prospérité durable. Desjardins, coopérer pour créer l'avenir. Cette capsule en route vers une saison brillante avec Hyundai vous est présentée par la Sonata. Ce que j'aime le moins, Dave, je me le faisais reprocher par le public, il y avait un petit côté borné des fois. Faut comprendre, Yves a eu à élever 3 enfants tout seul. C'est sûr que ça l'a rendu plus autoritaire. Donc, il a probablement perdu un peu de souplesse pour faire en sorte que tout se passe bien. Il a les défauts de son sens du devoir, finalement. En route vers une saison brillante avec Hyundai. Et maintenant, un lapin dans la tasse. Voici Voltaren Emule Gel Douleur Articulaire, un anti-inflammatoire qui se concentre dans les articulations là où le soulagement est nécessaire. Attends! Voltaren Douleur Articulaire. Retrouvez le plaisir de bouger. Pas besoin de voir l'orge, le lin doré, le seigle, le quinoa ou l'avoine pour profiter des bienfaits d'un pain multigrain. Avec le pain blanc multigros de Gadois, pas besoin de les voir ni de les croquer pour le croire. Une multitude de grains entiers ont été finement moulus selon un procédé qui permet au pain de rester blanc et moelleux, tout en offrant autant de fibres qu'un pain multigrain traditionnel. Le pain Multigo, de multigrain blanc de Gadois. Je souris de la tête aux pieds avec la lotion pour le corps Happy Time de Nivea. Elle hydrate pendant 24 heures, contient du lait de bambou et offre un doux parfum de fleurs d'oranger. Happy Time de Nivea, la beauté c'est se sentir bien. La gamme Happy Time offre maintenant un antisudorifique en bâton. Tiens. Merci. Oh, excuse-moi. Chapeau. Pardonne pas large, moi non plus. Dis-moi, ça a pris du temps. Parce que j'ai eu Luc au téléphone. Il est au courant pour Sophie. Il voulait savoir s'il pouvait pas faire quelque chose. Bon. Personne ne peut plus rien faire, là. C'est ça que je lui ai dit. Ça va mieux, là? Oui. Bon, Sophie, tu peux y parler? Mais non, elle est déjà partie en salle d'opération. Mais ça doit être tout un choc pour elle. Jocelyne m'a dit qu'elle était tellement bouleversée là, qu'elle voulait pas croire ce qui lui arrivait. Elle voulait passer une autre échographie pour être certaine que c'était bien fini. Là. Elle a dit qu'elle voulait pas faire de mal à son bébé. Tu veux que j'en boive un peu? T'en ferais moins? J'aimerais bien ça, mais je pense que ça ferait pas le même effet. Ce sera pas long, là, ça va être notre tour. C'est le fun, notre tour pas, hein? Oui. À part les gars qui arrêtaient pas de te taquiner sur tes talents de reproducteur, là. Bah. Je l'ai vu que ça te mettait mal à l'aise. J'avais surtout peur qu'elle le prenne mal. Tu sais comment il peut être susceptible. T'es content de voir qu'il y avait le sens de l'humour pour un sujet aussi important que ça. Oui. Il a changé, ton frère. Oui, il a pris de la maturité. Il est prêt à devenir père de famille. Je suis bien content de ma décision. Tu te rendais pas compte que tu mettais tout le monde mal à l'aise? Pauvre Alain. C'est déjà pas facile à vivre pour lui. Alain? Il riait avec nous autres. Il était pas mal à l'aise pantoute. Mais il riait. Il riait parce qu'il avait pas le choix.
Bon, arrête donc de chicaner. Tout le monde était de bonne humeur. On se taquinait, c'est tout. La prochaine fois qu'on va se revoir tout le monde ensemble, t'es bien mieux de pas parler de ça. Florence et Alain, ils doivent pas avoir le goût qu'on passe notre temps à leur rappeler ce que Luc a fait pour eux autres. T'sais. Bon, bah, bon, ok, c'est correct, là, je leur ferai plus. Puis pourquoi t'as annoncé ça à tout le monde que tu veux vendre? Bon. C'est parce que c'est ce qu'on avait décidé, non? Mais on en a parlé, oui, mais c'est pas encore définitif. Hey, il faut prendre le temps de réfléchir comme faut, là. C'est pas une décision qui se prend comme ça. C'est sérieux. Mais je t'ai dit que j'en ai fait des affaires pas correctes, moi, aujourd'hui. Bon, faut que je retourne travailler. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ben, je pense que je vais aller au gym. On va faire sortir le méchant. Ben oui, fais donc ça. C'est drôle, hein? Je... Bon, fais-moi la soirée. Quoi? Non, rien. Ah, vas-y. Non, mais c'est juste que quand je les entendais faire des blagues, je me suis mise à penser... Mais que tu vas quand même être papa deux fois à quelques mois d'intervalle, là, c'est rare, ça. Mais j'avais pas eu ça de même. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais dans ma tête, c'est clair que je vais être le père d'un seul enfant, puis c'est celui dans ton ventre. Bois, là. Ah ouais, je bois. Ah ouais? C'est rien que ça. Ah, encore. Non, on peut le voir, le bébé. Bon. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment un beau gym. On est bien contents, ça marche super bien. Bonjour, monsieur Marion. Hey, bonjour. En passant, bravo pour le bébé, hein. Tu féliciteras ta blonde pour moi. Mon Dieu, tu le sais déjà. Merci, mais je sais pas si t'es au courant pour notre situation un peu spéciale. Là. Écoute, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve que vous êtes une famille pas comme les autres, puis j'aime bien ça. Ben, écoute, bienvenue dans notre famille pas comme les autres. Hey, je veux pas déranger, hein, je sais que vous êtes bien occupé. Hein. Non, ça me fait plaisir. Là. Donne-moi 15 minutes, puis je vais aller te rejoindre. OK. Ça te dérange-tu si je vais sur le vélo stationnaire en t'attendant? Ah non, vas-y. OK, je vais te rejoindre. Super. Ça va avec Annie? Oui. Elle avait l'air à l'aise. Je vois pas pourquoi je ne serais pas. Ben. Voyons, là, il va pas me sauter du parce qu'il est fif, là. Hey, ça s'attrape pas, là. Hein, ça. Oh, oh, je sais. Ah. Non. Pauvre toi. Je sais ce que c'est avoir une fille qui souffre. Surtout, ça faisait plusieurs jours que le bébé était mort. Quand ils ont dit ça, là, les yeux tellement ébranlés. Pouf, petite. C'est affreux. T'sais, elle n'arrêtait pas de se flatter le vent. Puis de se parler. Pourquoi est-ce que le mauvais sang s'acharne sur eux autres comme ça? Laisse-toi aller. Je suis là. Ben, j'ai déjà eu une formation d'entraîneur, là, mais ça fait au moins 10-12 ans. Mais pourquoi tu vas pas suivre une mise à jour? Moi, à mon ancienne école, ils donnent des séminaires. Hey, c'est pas bête, ça. Je vais penser à ça. Ben, même si tu veux, avant de partir, viens me voir, je vais trouver le numéro. Cool, merci. Ouais. De la jasette, hein, Rémi? Ouais, il est vraiment sympathique. Je regardais, là. Ça paraît vraiment beau. Quoi? Je veux dire, il a vraiment l'air d'un homme. Ben voyons, père. Tu penses qu'André fait l'homme, puis Rémi fait la femme? Pas de même, ça marche dans un couple gay, là. Je sais pas, je connais pas ça. Hey! Salut! Hey, Benoît, ça va? Oui. Fait que tu vends ton commerce? Ben oui, ça vous intéresse? Oh, moi, non. J'en ai déjà plein, vraiment. T'es venu brûler les calories de ton lunch? Ah oui, c'est ça. Hey, Alain, je voulais m'excuser pour ce midi. Peut-être été un peu fort, ces blagues, là. Je voulais pas te blesser, là. Fais-toi-en pas, là. Je m'y attendais un peu. Mais ça recommence pas, ça. OK, compris.
Rémi? Hey, tu t'entraînes-tu ou tu te reposes? Non. Comment vas-tu? Bon, t'es rassuré, là? Le bébé est en pleine santé. J'étais tellement émue que j'ai pas bien compris ce que la technicienne nous a dit. Oh, regarde, là, tout est normal. L'âge du fœtus correspond exactement à ce que le médecin avait évalué. Le développement se fait comme prévu. Il devrait pas y avoir de problème. Il est en bonne santé, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est ça. Là, la technicienne va prendre toutes les informations, les transmettre à notre médecin. S'il ne me rappelle pas, mais c'est que tout va bien. Inquiète-toi pas, il ne me rappellera pas. Hein? Ton cœur battait fort, hein? Oui. Ah, je commence à regretter de ne pas avoir demandé le sexe du bébé. T'aurais aimé ça savoir? Oui. T'as changé d'idée, hein? Je savais que tu serais pas capable de résister. Juste te dire que la technicienne, elle m'a confirmé discrètement que... ben, notre enfant, là... ce serait... pas... un gars. Oh, oui? Oh, c'est tellement beau! Oh! Une belle petite soeur pour aller. Bonsoir. La saga des wagons du métro de Montréal est-elle enfin terminée et certains usagers en doutent? Et je reçois la docteure Laberge pour parler d'une découverte qui risque de changer la vie de bien des femmes. À tout de suite. La congestion nasale, comment vous affecte-t-elle la nuit? Je n'arrive pas à dormir. J'ai le nez bouché, je ne peux pas respirer, je ne peux pas bien dormir. Vous avez tous fait l'essai des bandelettes nasales Breathe Right. Comment vous ont-elles aidé? C'est surprenant la première fois. C'est vrai. Ah, c'est instantané. Dès que je les applique, mes voies nasales s'ouvrent, puis je peux enfin respirer. Quand je dors mieux, je me sens beaucoup mieux le lendemain. Breathe Right, c'est la solution sans médicaments. Oui, tout à fait. C'est magique. Pour obtenir un échantillon gratuit de Breathe Right, visitez le 606pn.com. Le programme de récompense Métro et moi est arrivé chez vous. Accumulez une foule de points N afin de réduire votre facture d'épicerie. Métro et moi. Mes goûts, mes points, mes récompenses, mon épicier. C'est à la marque Band-Aid parce que Band-Aid tient moi. Les pansements pour jointures et bout des doigts de marque Band-Aid. Ils sont flexibles et élastiques. Conçus spécialement pour les jointures et le bout des doigts, ils sont confortables et adhèrent mieux. Parce que Band-Aid m'aide à guérir. Polysport est présente, les accidents de la semaine. Cet enfant est survolté, regardez-moi cette hauteur. Ouais, mais ça impressionne pas trop maman. Oh oh, une vraie bonne éraflure, Jacques. Polysporin offre une formule guérivite qui aide à prévenir l'infection pour guérir plus vite les blessures mineures. Mettez-y du poly. Nathalie est un être de contraste. Aussi confortable dans ses bottes de ski que dans ses talons hauts, elle se délecte d'un linguini au porcini le samedi et mange un bon pâté chinois le dimanche. Et si jamais vous vous heurtez à sa boîte vocale, sachez qu'elle peut aussi bien se trouver à la pêche au lac Masquinongé que rivée devant sa série préférée. Donc, c'est loin d'être un hasard si Nathalie aime jouer à banco. Elle peut choisir le type de mise et le montant qui lui convient, qu'elle se sente douillette ou aventurière. Banco, la loterie sur mesure. Chez Brouillette, nous fabriquons des portes et fenêtres durables, performantes et efficaces depuis plus de 35 ans. 91 des Oblats, secteur 4 de la Madeleine. Votre steakhouse familial, les Alpicantes Buffalo. Ambiance le fun, grand choix de table d'hôtes et menu midi à petit prix. Ne manquez pas les lundis et mercredis, les délicieuses ailes à 50 cents. Les Alpicantes Buffalo, centre-ville, Trois-Rivières. Chez Brouillette, nous fabriquons des portes et fenêtres durables, performantes et efficaces depuis plus de 35 ans. 91 des Oblats, secteur 4 de la Madeleine.
Votre steakhouse familial, les Alpicantes Buffalo. Ambiance le fun, l'endroit idéal pour regarder les événements sportifs sur écran géant. Réservez dès maintenant pour vos parties de groupe, retraite ou anniversaire. Les Alpicantes Buffalo, centre-ville Trois-Rivières. Ouais, un peu. Bon, ben, rentre chez vous. On va m'occuper de fermer le gym, moi, ça me dérange pas. Ah ben, merci, ça a été une journée pleine d'émotions, puis j'ai hâte de retrouver ma blonde. Ben oui, c'est certain. Hey, Alain. C'est que je suis vieux jeu, là, puis plein de préjugés, mais je suis prêt à faire un effort. C'est toi qui vas en profiter le plus, père. Tu te rends compte que c'est bien important pour toi ce qui t'arrive. Ce serait triste que ton père boque dans son coin. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me fasses confiance. Hey, Alain, je te fais confiance. Voyons, tu veux être un bien meilleur père que moi. Non, c'est juste que quand on vieillit, on s'inquiète pour tout puis pour rien. Pense-tu à ça. Je suis avec toi, moi. Je suis de ton bord. Merci, père. C'est ça que je voulais entendre. Hey, va rejoindre ta belle Florence. Puis félicite-la pour moi. OK. Bye. Bye. Bon. Oh, puis, as-tu parlé à Jocelyn? L'intervention s'est bien passée. Sophie dans sa chambre, là. Elle est encore bien batte, là, mais... Penses-tu qu'on devrait y aller? Ben, Jocelyn avait l'air de dire que ça serait mieux à temps de demain, là. Ouais. C'est peut-être mieux de les laisser vivre ça tout seul. Demain matin, là, ça va être correct. Ah. On peut y aller ensemble, si tu veux. Ah oui, OK. Ça me fait du bien quand t'es là. Oh. Je suis épuisée, moi. Toi? Moi aussi. J'ai le cœur à l'envers. J'essaie de me demander... que je pourrais pas faire de haut, hein, mais je vois pas. Mmh. Au fond, là, c'est peut-être mieux comme ça. Cet enfant-là, là, il aurait eu une vie tellement malheureuse. Je sais, c'est pas correct de dire ça, là, mais... Tu sais, moi aussi, je pense la même chose. Remarque que c'est facile à dire quand on le porte pas dans son ventre. Tu restes pas couché à la maison ce soir. Je sais pas rien. Je veux pas te laisser tout seul dans cet état-là. On va se faire une petite soupe, là, puis décompresser ensemble. On a eu une vraie journée de fou. Regarde, depuis que tu m'as appelé pour me dire ce qui est arrivé avec Sophie, là, j'arrête pas de penser au pire. Pourquoi? Ça veut pas dire que ça va nous arriver à nous autres? Ben, on sait pas. Les trois premiers mois, c'est délicat pour toutes les femmes. C'est vrai, c'est pas pour rien qu'ils disent d'attendre trois mois avant de le dire à tout le monde. Mais là, on va pas se mettre à penser à ça tout le temps, là. Hein? Hey, faut rester positif. Ouais, mais faut être prudent aussi. Là, ça a-tu quelque chose de spécial? As-tu mal quelque part? Non, mais s'il fallait que ça nous arrive, t'imagines? Non. Là, arrête de penser à ça. On va tout faire pour que ça se passe bien, hein? Nanine nous l'a dit, il faut juste que tu te reposes puis que tu t'alimentes bien. C'est très important, ça. As-tu faim, là? Oui. Bon, je vais t'étendre, là. Je vais te préparer un super bon souper. Je peux même aller te servir au lit, si tu veux. C'est bien fin. Puis ça va être comme ça pour les trois prochains mois. On va mettre toutes nos énergies là-dessus. Là, protéger notre bébé. Je veux pas le perdre, tu comprends? Mais... On ne perdra pas, c'est fait fort, un petit Marion. En fait, hein? Elle a mordi le jus. En fait, hein?
fini? Oui. T'es revenu dans la chambre. Le bébé, l'as-tu eu? J'aurais aimé ça le voir, moi. Calme-toi. Repose-toi. Essaie de dormir. Ferme les yeux. Je sais pourquoi il est mort. Parce qu'il était pas bien dans mon ventre. Voyons, Sophie. C'est ma faute. Je l'ai laissé partir. Sophie, arrête, c'est pas de ta faute. C'est arrivé comme ça. On n'y peut rien, c'est tout. Je serais pas toujours malchanceuse comme ça, hein? Mais non, voyons. Des milliers de femmes qui font des fausses couches, puis après, ils ont des grossesses tout à fait normales, crois-moi. J'en fais tellement. Ça peut pas que j'y arrive pas. On en reparlera quand tu iras mieux. Pour le moment, là, calme-toi, ferme tes yeux, puis essaie de dormir. Je suis pas capable, j'ai trop de peine. Ferme tes yeux. Va-t'en pas. Inquiète-toi pas, là. Je reste à côté de toi, OK? Hey, arrête, là, tu vas l'user. J'en viens pas. D'avoir bougé comme ça, là, c'est... Puis voir. C'est pas pis ces petites jambes. On la voit bien, hein. Regarde sa face. Petite baboune. Aïe, 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 c'est tellement beau. On est vraiment chanceux d'avoir un enfant en santé. Oui, super chanceux. Penses-tu vraiment que ça va être une petite fille? Oui. T'aurais pas aimé mieux avoir un garçon? Non, moi, plus il y a de femmes dans la maison, plus je suis heureux. Ah! Macho. Non, moi, tout ce que je veux, c'est un bébé en santé avec la plus belle maman du monde, c'est tout. Mm. Là, j'ai les deux. Je suis comblé. La prochaine fois, je vais essayer de te faire un garçon. Prochaine fois... Wow. Mais quoi? On n'est pas pour s'arrêter comme ça. Paul, je veux ma fille avec moi tout le temps. Oh, Isabelle, qu'est-ce que tu dirais de revenir vivre à la maison? Si tu sais tout de moi, tu dois connaître mon âge. T'as l'âge de te faire dire que t'es belle. Tu m'empêcheras pas d'amener ma fille en voyage, t'es pas tout seul à décider. Oh oui, je peux, parce qu'on a des papiers qui sont signés devant les... Aline se demande pourquoi vous vous chicanez. C'est la promesse que je te fais, là. Je n'essaierai plus de changer le monde. Je veux juste être là pour toi. Tu en profiter pour faire un bébé?